Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle recette, les asperges rôties. Pour cette recette, quelques asperges, pas besoin de les râper, de les peler ou autre, juste casser légèrement le bout de la queue pour enlever la partie la plus dure de l'asperge. Casser au coin de la planche comme ça. C'est préférable de les casser plutôt que de les couper au couteau, ça rendra beaucoup plus d'effet. On enlève les parties les plus dures de la tige et les asperges sont prêtes. Les ingrédients de la recette. Asperges vertes, huile d'olive, bouillon de poule, sel, poivre. Dans une sauteuse bien chaude, on met de l'huile d'olive. Dès que l'huile est à température, voilà, on fait sauter les asperges. Voilà. Je vais sauter les asperges sans trop les colorer. Dès qu'elles ont bien pris la matière grasse, on les mouille avec un bouillon de poule ou un bouillon de veau. Et on les met à cuire. Voilà. Dès que l'ébullition a commencé, on baisse légèrement pour garder un léger frémissement, tout en laissant bien réduire. Pendant la cuisson, on rectifie légèrement l'assaisonnement, toute petite pointe de sel, à peine un petit peu de poivre pour relever. Voilà. Il ne faut pas oublier que notre bouillon est déjà très goûteux. Les asperges sont cuites. On les dresse dans l'assiette de service. Voilà. Une deuxième assiette. Une assiette très traditionnelle. Voilà. Comme ceci. Et là, on va utiliser la réduction de la cuisson pour napper nos asperges. Une merveilleuse asperge rôtie. Les points importants de la recette. Parer les asperges sans les peler et casser le pied. Dans une sauteuse, rôtir les asperges à l'huile d'olive. Mouiller avec un bouillon de poule chaud. Cuire quelques minutes. Dresser les asperges dans l'assiette, faire réduire le jus de cuisson et rectifier l'assaisonnement. Napper avec la réduction de cuisson. Pour accompagner ce plat, nous vous proposons dans tous les cas un vin de grande noblesse, un pouilly fuissé ou un toque écloché. Merci et bon appétit!